Salut à tous, je vais vous parler dans cette vidéo de la Frugalware Linux 2.2 bêta. Avant tout, je tiens à m'excuser pour la qualité d'incrustation vidéo de la webcam. Ma webcam actuelle, ma Logitech, déconne au niveau de la vidéo, je ne sais pas pourquoi. Sûrement un bug d'Arch Linux, peut-être des mises à jour trop fraîches qui foutent la merde. Bref. Donc, comme je disais, je vais vous parler de la Frugalware 2.2 bêta. La Frugalware Linux, c'était en quelque sorte la grande concurrente d'Arch Linux qui n'a même malheureusement pas réussi à s'imposer. J'ai appris, et vous trouvez tout dans le descriptif, dans un article de blog, qu'une version de la version, une version bêta de la 2.2 était disponible en version live. Il y a beaucoup de versions dans cette histoire. Donc là, on peut récupérer à cette adresse-là, et on voit que la dernière version date de novembre 2017. C'est une version uniquement avec KDE et qui fonctionne en live. Uniquement KDE 64 bits. Donc je vais vous montrer la petite surprise un peu méchante qu'on peut trouver dans l'ISO en question. Et après je vous montrerai la version installée. On est go. Donc là c'est un peu comme pour Manjaro sur ce plan-là. Layout. Ouais, normalement, ça va démarrer. Et là, je passe en plein écran. Donc, dès qu'on démarre, on a un calamares, mais je vous montrerai que c'est un calamares qui laisse un arrière-goût un peu douteux dans la bouche. Pour mémoire, l'ISO de test, enfin de bêta, le bêta pèse 2,3 Go. On en serait en lieu de s'attendre avec 2,3 Go d'un KDE, que ce soit un ISO, en dirons-nous, en installation locale. Quand tu es là-dessus, buvez de l'eau. Donc, vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'étais un brin déçu. Voilà. Donc, le temps que KDE se lance. On a KDE tout ce qui est le plus classique. Hein. Voilà, suivant. Je n'ai pas plus loin qu'une étape qui vous allez comprendre pourquoi j'ai un peu les glandes. Voilà. Jusque-là. Tout va bien, vous connaissez le principe, mais jusqu'à tout va bien, une personne qui chute du Xème étage et qui se dit jusque-là tout va bien, jusqu'à ce qu'elle tombe sur le sol et s'aplatisse comme une crêpe. On est dans le même principe. Et voilà! Une net install. Cadeau pourri sur le gâteau. Par contre, on s'aperçoit qu'il n'y a pas les jeux, ce qui est dommage. Mais au moins, déjà, ça permet d'avoir l'ensemble. Donc, aussi, on peut essayer GNOME avec les outils, même s'il en manque une grande partie. Le logiciel Internet, on a Firefox, Chromium, Otter Browser. Par contre, il y a très très peu de traductions. Allemand, français, hongrois, espagnol, chilien, enfin espagnol de Chili, roumain et néerlandais, en plus de l'anglais, bien sûr. Ça va pas chier loin, comme on dit. Donc, j'ai fait l'installation et, comme je l'indiquais dans l'article de blog, 35 minutes m'ont été nécessaires avec Firefox, Thunderbird et LibreOffice. Joie! Donc, on va maintenant s'occuper de la 2.2 bêta. Bah, donc là, je démarre. Je repasse quelques secondes. Voilà, donc ça va mettre contrôle 1. Voilà, donc on voit qu'on a un noyau 4.14.2. Peut-être qu'il sera plus récent quand je vais le démarrer, mais peu importe, démarrons. Et là, je passe en plein écran. Même
même si c'est marqué 2.1, en réalité c'est une 2.2 parce que c'est enfin, plutôt 2.2 étant donné que les dépôts sont dirigés vers... enfin, les dépôts utilisés sont les dépôts courants, en clair les dépôts de développement. Et non pas la version stable, comme je vais vous le montrer dans quelques instants. Donc là, j'ai déjà lancé une première fois l'ensemble, histoire de gagner un peu de temps au chargement. Ah, j'en profite aussi pour dire un petit bonjour à tout le canal Frugaloir FR, David, Necrodes et compagnie. Bisous bisous. Voilà. Ce bisous bisous étant bien sûr une private joke. Ben, j'ai oublié de le faire. Oublie compensé. Donc là, on se retrouve avec un KDE, tout ce qui est le plus classique. Je crois que c'est un KDE 5.11. La console que je lance, c'est quand même Full Center. Bon, un KDE allégé, mais qui reste néanmoins utilisable. Donc un 5.11.3 avec les KDE Framework 5.40, je crois qu'on en est au 5.41. QT 5.9 et le noyau 4.14.2. Je pensais que ce serait un noyau plus récent, mais bon. Peut-être qu'ils attendent, je crois qu'on en est au 4.14.8, qui est un brin chiant d'ailleurs. C'est peut-être celui-là qui me fait planter, enfin, qui me fait bugger la caméra. Donc côté bureautique, j'ai mis LibreOffice, je reviens dessus. Vous voyez, c'est pas super chargé, mais au moins déjà on a de quoi. Voilà, donc on a Firefox, multimédia, on a K3B. Les utilitaires, on n'a pas grand chose, c'est vraiment juste histoire de dire, bon, mais c'est une ISO de test, et si vous voulez rajouter le reste, débrouillez-vous. Ce qui n'est pas plus mal. Donc, je ne sais pas si l'ensemble est bien traduit. Enfin, je peux m'en douter un peu en voyant ça. Est-ce que sur le réseau, il me détecte les partages Samba? Bon, apparemment, il ne me détecte pas montage réseau. Ah, peut-être que si je fais ça... Non, pas mieux. Bon, je n'ai pas trop l'habitude de KDE, donc je peux très bien me planter dans ce domaine. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose. Voilà, donc... Sans les étoiles, ça sera mieux. Donc, je vous disais que c'est bien la version courante qui est utilisée. Voilà, si on fait un less, etc., pacmanj2.conf, qui est un cousin de Pacman, loin est un cousin de Pacman, l'arch Linux, si on regarde, c'est bien frugalware current qui est utilisé, et non pas stable. Donc là, côté, on va voir ce que donne la fraîcheur du logiciel, ne serait-ce que LibreOffice. Je ne sais pas si c'est la version Steam ou fraîche. Enfin, stable ou évolution, selon les appellations de LibreOffice itself. Donc sa version évolution, qui est un peu vieille parce que c'est à 5.4.4 de mémoire. Donc ça c'est le problème des petites équipes aussi. Firefox, quelle version nous propose-t-il? Parce qu'il faut se souvenir que l'équipe de Frugalware, c'est 4 ou 5 personnes de mémoire. Ce qui explique aussi le développement assez lent de la distribution. C'est aussi parce que la distribution n'a pas réussi à attirer les développeurs suffisamment. Je lui avais pourtant dit de m'installer la VF. Oh, sale bête! Ah, peut-être c'est ça, oui. Ouais, c'est bon. Donc, il faut juste que j'active la VF. C'est quelle version à propos de Firefox?
il y a deux révisions mineures de retard. Toujours le problème des petites équipes qui ne peuvent pas plus être au four et au moulin à chaque fois. Donc, je vous demande si en redémarrant, j'aurai bien notre ami Firefox d'activé. Ouais, c'est bon. Donc là, si on va sur frugalware.org, on va voir où ils en sont côté certains logiciels. C'est vrai que la distribution n'est pas très pas potente parce que quand même la dernière nouvelle date du mois de mai 2017. On est Noël 2017, ça commence à faire un peu petit. Écoutez. Il y a peut-être une demi-douzaine de personnes. Une dizaine de personnes en tout cas c'est. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, une quinzaine de personnes. Une quinzaine de personnes, vu la petite équipe. Ça ne pas vraiment, vraiment, quoi. C'est ça qui est dommage. Et si on regarde sur les paquets, par exemple, si on cherche par exemple GIMP, quelle version on veut avoir? Dans la version courante, merci. Donc on a GIMP 9.4, ouais, pourquoi pas, même 2.9.8. Pourquoi pas un game de développement? Parce que vu le temps que met chaque version de Frugalware à développer, le temps qu'elle sorte, game 2.10 sera sorti. Donc VLC, ok, oui. Ben, je sais VLC, tiens, à moins qu'il soit déjà installé. Je crois qu'il est déjà installé VLC. Application, multimédia. Non, mais on va passer VLC, donc on va passer par ligne de commande. C'est les GIMP et VLC, tiens, comme ça. Je vais vous montrer comment fonctionne l'installation des paquets. Enfin, Pacman G2. Voilà. Ah tiens, je n'ai pas fait que VLC est installé. Bon, c'est pas grave. Où est-ce qu'il est VLC? Ah ouais, mais tu as mis la VLC. En tant pour moi, je ne l'avais pas vu. Même si c'est réinstallé, c'est pas bien grave. Avec le célèbre clin d'œil à Noël, quand c'est la période de Noël, le clone de chantier se couvre de son bonnet. Voilà. Ah zut, on va mettre GIMP uniquement. Je vais faire quand même un truc, je vais voir SYYQ pour voir ses nouveautés. Ça serait étonnant. Oui, oui, oui. Ah d'accord, autant pour moi. Donc je vais faire la mise en pause de la vidéo. J'attendrai qu'il soit revenu. Apparemment j'ai fait une installation en ligne de commande, enfin en mode ligne de commande, et c'était pas suffisant. Donc il est 19h15. Et je reviendrai quand la vidéo sera terminée. Donc, les allons se terminer dans un petit 10 minutes, un quart d'heure, on se dit ça. Allez, à toutes. Ouh, mais ça a pris 11 minutes.
Donc là maintenant, je repasse en plein écran. Je ferme ça et je fais un redémarrage pour voir les modifications. C'est quand même bizarre que l'installation en NetInstall n'avait pas pris les derniers paquets disponibles. Alors vraiment, c'est le principe. Bon, c'est pas grave. Donc je suppose que c'est passé au noyau 4.14.8 et compagnie. Donc en gros, pour revenir sur l'équipe, il y a une quinzaine de personnes, mais j'ai quand même envie de voir quels sont les... Parce qu'apparemment, il y a des filtres disponibles. Je vais retourner rapidement sur la page pour voir quels sont les filtres, pour savoir quelles sont les personnes actuellement actives. Parce que maintenant, que ce soit les 15, tout le monde soit encore actif. Parce que Miklos Vajna, je crois, c'est maintenant principalement un développeur de LibreOffice. Même si c'est le papa, en quelque sorte, de Frugalware, maintenant, il est plus orienté LibreOffice que Frugalware. De mémoire. À vérifier. J'apprécie vraiment une demi-heure d'attente et je me tape 10 minutes de mise à jour après. Ouais! Super! Brrr. On va me dire que c'est une version bêta, mais c'est quand même enrageant pour le principe, même pour une bêta. Ça fait yesh. Ça fait vraiment yesh. Donc, je suppose que maintenant on doit avoir quelque chose de plus récent sous la mimine. Style un cadet framework, enfin, du moins un noyau plus récent. Oui, un 4.14.8. Par contre, il n'a pas bougé au niveau des outils Frugalware. Je suppose que Firefox doit être mis à jour en 57.0.2. Idem pour LibreOffice, il doit avoir une version plus récente. Mais déjà, je vais faire un tour rapide pour voir le nombre de contributeurs actifs en ce Noël 2017. Parce que j'enregistre la vidéo, Noël 2017. J'avais parlé de 4 personnes environ de mémoire, mais si on sort les. Parce qu'il y a plusieurs filtres, je vais juste m'en apercevoir. Quand je redatais là. Donc développeur actif, ancien développeur, contributeur et tout le monde. Donc les développeurs actifs, je pense que ça va être une liste réduite. Non, on ne peut pas savoir. Ah, c'est des acteurs actifs, alors développeurs, formeurs peut-être. Voilà. Donc, oui, d'accord. Donc, en gros, une quinzaine de développeurs actifs, mais si on regarde les contributeurs précédents, il y a quand même pas mal de personnes qui ne sont pas restées. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Au moins, on va dire facilement une trentaine d'anciens développeurs. Donc ça, c'est vrai que là, l'équipe est quand même assez réduite, parce que ça n'a plus que 15 personnes, à une époque, il y en a jusqu'à 40. Enfin, quand on voit toutes les personnes qui sont passées, c'est vraiment un projet qui malheureusement n'arrive pas à maintenir ses utilisateurs, enfin ses développeurs
C'est dommage parce que c'est quand même une distribution qui est intéressante. Donc je voulais voir aussi pour LibreOffice. Qui doit être maintenant en 5.4.4, je pense aussi. C'est quand même dommage parce qu'il y avait pas mal de... Quand on voit quand même qu'il y a eu 30 contributeurs en l'espace de... Je crois que la distribution est née en 2013. En 2013, en 2003. Ou en 2004, donc ça fait quand même pas mal de turnover. Oui, 5.4.3, donc déjà un petit peu de progrès. Donc je voulais, avant de devoir faire une mise à jour, voir pour GIMP. C'est quand même dommage de voir une distribution qui a du potentiel ne pas arriver à conserver ses développeurs. C'est maintenant dans le paquet. Alors, sudo pacman g2-s GIMP. Yes. Pourquoi il m'installe Dark Table? Bon, parfois il y a des dépendances que je ne comprends pas. Pourquoi veut-il m'installer Dark Table? Si vous avez une explication, je suis preneur. Je sais pas pourquoi aussi ne met pas une progression, mais le mettre comme ça, bon, c'est leur choix après tout, hein. Donc Pacman G2 quand même assez rapide. Ça se voit la parenté avec Pacman d'ailleurs. Même si la parenté est assez lointaine, je crois que ça remonte à l'époque de Pacman 2 où il y a le fork entre les deux versions. Pacman 2 ou 3. En tout cas, les installations sont très rapides. Ça, on ne peut pas les ôter. Donc là, on va voir maintenant ce que donne notre ami GIMP. Je demande pourquoi essayer Darktable par contre. Alors, le monsieur t'a dit qu'il voulait lancer GIMP. Pas mal, tiens, le camp de démarrage. Pas mal du tout. Voilà donc, voilà à quoi ressemble GIMP 2.9. 2.9.8. Voilà. Donc là, je vais pas aller beaucoup plus loin. Je voulais vous montrer ce que je voulais vous montrer de la distribution. Je vais arriver à la conclusion. Donc, ma conclusion sera rapide. Dommage que la distribution n'ait pas réussi à se vendre, parce qu'elle est intéressante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? C'est, ah, le, par contre, ce que j'ai pas trop aimé, c'est l'installation en net-install et deuxième dose avec tout ce qui est mise à jour. Je pensais que la net-install allait faire la mise à jour directement. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour la qualité de l'incrustation vidéo. J'espère que ce putain de bug dans Arch Linux sera vite corrigé. Peut-être que ça sera corrigé, peut-être que c'est Mesa qui merde ou je sais pas autre chose. Bref, peu importe. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!